Cet homme a été reconnu coupable de meurtre. Il accepte la sentence du prince Hathor. Je suis fier de mon fils. La nuit dernière, j'ai vu un aigle noir en rêve. Il m'annonçait ma mort. On sait que l'homme est impuissant contre la volonté des dieux. C'est pourquoi je te voulais à mes côtés, en ce jour de justice. Condamnés en ont appelé à la justice des dieux. Le prince Hathor a eu la bonté de bien vouloir accepter leur requête. Il leur épargnera la mort s'ils peuvent vaincre en combat le divin pouvoir de l'épée du Saint Graal. Cette épée m'a été donnée pour que justice soit faite. Je vous supplie une fois encore de guider mon bras.
homme veut la posséder, il reviendra pour reprendre cette épée. Il choisira cette épée ou ma vie. La justice est plus utile parmi les hommes que parmi les dieux. Alors souviens-toi, Son. Quoi qu'il advienne, il faut que cette épée appartienne à Hathor. Hathor! Je te reconnais, Thorm. Oui, je suis prêt. Allons-y. Mais pour mon peuple, pour mon propre fils, je ne me déshonorerai jamais en abandonnant mon épée sacrée. Dans ses actes, il a montré beaucoup de sagesse. Il ne t'a jamais offensé. Il a toujours respecté ta volonté. Et il a tenté de faire régner la justice chez les Aquiles. Tu paieras pour tes paroles, Déjanira. Va demeurer prisonnière du feu jusqu'à ce qu'un mortel vienne ici et ait assez de courage pour franchir les flammes. Mais ce jour-là, tu perdras les pouvoirs divins que le trône t'avait conférés. C'est ta punition pour avoir eu un comportement de mortel. Déjanira, elle subit toujours la sentence. Cela lui coûte cher de s'être autorisée à un sentiment humain. Quel mortel aura le courage de vaincre le feu de Thorm? Un homme que l'épée rendrait invincible, puisque cette arme divine en a le pouvoir. Cette épée est à moi. Mon père me l'a léguée. Non, Hathor, pas encore. Grindel a caché les deux fragments de l'épée. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour rompre la promesse qu'il a faite à ta mère, Son. Thank you.
Vous êtes Grindel, n'est-ce pas? Ainsi donc vous me connaissez. Dans ce cas, pourquoi êtes-vous effrayé? Suis-je si laid? Non. Vous ne dites pas la vérité. Je suis répugnant. Toutes les femmes trouvent que ceux de mon espèce sont répugnants. C'est pour cela que nous n'avons pas d'enfants. Non, vous n'auriez pas été terrorisé si j'avais été un beau prince aux cheveux blonds. Surtout à présent que vous êtes veuve. Je suis Sun, princesse d'Aquile, épouse du prince Hathor. Ce n'est plus exact, ma chère Sun. Ce n'est plus exact. Maintenant, vous êtes presque une femme libre. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je vous apporte l'épée du Saint Graal. Pourquoi? Parce que vous êtes le seul à pouvoir la forger et lui rendre son pouvoir magique. Son pouvoir ne m'est d'aucune utilité. J'ai mon propre pouvoir. C'est pour mon fils. Vous devez la réparer et lui donner pour son 18e anniversaire. Et pourquoi devrais-je le faire? Parce que c'est écrit. Et désormais, vous saurez ce que c'est qu'avoir un enfant. Élevez-le comme s'il était votre propre fils. Mais vous oubliez la conception. L'acte de conception n'a pas eu lieu, du moins en ce qui me concerne, et il me paraît essentiel. En outre, j'ai le droit de vous demander quelque chose en échange. Pour tout vous avouer, je ne demande jamais rien. Je prends ce que bon me semble. Est-ce qu'il y a autre chose que je puisse faire pour vous? Oui, m'aider à mourir. La mort et la beauté sont des compagnes mal assorties. La beauté ne dure pas chez une veuve. Et la loi n'autorise pas l'épouse d'un prince à survivre à son mari. C'est ce que les lois vous imposent? Mais qu'est-ce qui vous oblige à les respecter? C'est aussi la loi de mon cœur. Comme vous voudrez, mais au moins, nous savons comment rendre plus doux votre départ de ce monde. La mort viendra à vous comme dans un rêve très agréable. Je voudrais rester seule avec mon fils. J'aurai bientôt quitté ce monde pour toujours. Bientôt, j'aurai rejoint ton père. Nous veillerons ensemble sur toi. À partir de maintenant, le vieux Grindel va s'occuper de toi. Et lorsque l'épée t'appartiendra, le monde n'en finira pas de résonner de tes exploits. Dors, mon enfant. Mon fils. Grindel lui a donné une potion aphrodisiaque
au lieu du poison. Et pour cette étreinte abominable, les dieux ont condamné ta mère à la folie jusqu'à la fin des temps. Grindel, il faut que je tue ce monstre! Sois rassuré, Hathor. Ta revanche n'est pas très loin. Alors ma mère est encore en vie? Oui. Elle doit errer sans but d'un bout à l'autre d'Arisea. Elle répète son péché durant l'éternité, dans les plus vils endroits qu'on puisse imaginer. Pourquoi me racontes-tu tout cela? Parce que tu as été choisi par le destin pour accomplir de grandes choses. Il faut que tu retournes dans le monde du milieu. La voie est en direction de l'Est, mais on ne sait plus où. Il faut trouver un moyen pour que les Aquiles rentrent chez eux, c'est important. Je t'écoute toujours. Continue. Je reviendrai. Tu as toujours la tête dans les nuages. Les filets sont encore vides. Alors, qu'est-ce que je vais apporter aux animaux géants pour le souper, hein? Est-ce qu'ils ont bien dormi aujourd'hui? Très bien. Je te remercie, Hathor. Tiens, bois ça. Bois-le. Cela te redonnera de la force. Je préférerais boire l'eau de la rivière. J'ai une surprise pour toi. Tu auras bientôt 18 ans. Mais je voulais accomplir ma promesse en avance. Je te remets l'épée du Saint Graal. L'épée, j'ai appris depuis très longtemps qu'il ne fallait faire aucune confiance à la race humaine. C'est une certitude. Depuis que les hommes sont arrivés dans ce monde, ils n'ont apporté dans notre pays que malheur et destruction. Hathor, je suis vieux maintenant, et quand le moment sera venu de me dessaisir de l'épée, je saurai parfaitement à quoi m'attendre. Oh non.
des Janira! Ce n'était pas juste un tour de magie. J'ai voulu que tu vois Déjanira en chair et en os. Jamais je n'ai vu une créature aussi magnifique. Et cette femme est prisonnière du feu de Thorn. Tu es le seul mortel qui soit capable de vaincre les flammes divines. Où est-elle? Dis-le-moi. Je te montrerai où elle est, dès que tu auras ton épée. Tu es d'une façon...
Debout, sale bête. Allez, il y a le travail à faire. Je crois que je vais te laisser un peu plus longtemps dans le noir. De cette façon, on évitera les surprises désagréables. Grindel. Ici. Tu vois là, frappe juste au milieu. Tu reconnais cette épée? Regarde-la bien, c'est l'épée du Saint Graal. Elle mettra fin au tourment de la belle Déjanira. Néphélé! Tu m'as fait une promesse! Suis le sentier vers l'est! N'oublie pas, Thor. Chaque humain, chaque animal et chaque plante peut cacher Thor. Même cette épée n'est pas suffisante pour défier le roi des dieux. Je crois que je comprends, oui. Mais que peut faire un mortel pour délivrer son amour? Il te faut d'abord trouver le trésor du royaume de l'Ouest et l'offrir aux dieux. Je suis prêt. Mon voyage s'arrête ici, Hathor. Le tien est encore long, mais tu dois le poursuivre seul. Et ne jamais compter sur les dieux pour t'aider. Regarde ces ossements. C'est ce qui reste de ceux qui ont essayé de voler le trésor du royaume de l'Ouest. Il est encore temps pour toi d'échapper à ton destin. Non, je ne m'échapperai pas. Mon destin est de retrouver Déjanira. Le trésor est caché dans la grotte la plus profonde. Mais tu devras d'abord vaincre Ydir et Eric. Ils sont presque invincibles. L'un attaque avec son épée et l'autre se défend avec son bouclier. Mais si tu parviens à les séparer l'un de l'autre, tu pourras peut-être remporter le combat. Au revoir, Hathor. Je sais que je ne te reverrai plus. Alors qui me montrera le chemin qui conduit à Déjanira? Ton cœur et le flamboiement du feu de Thorn.
mon amour. Bientôt, tu seras délivré du feu. Grand et puissant Dieu, j'ai là pour vous le plus précieux trésor de tous les pays de l'Ouest.
Hathor, le fils du prince Hathor qu'autrefois tu essayas de sauver de Thorn. Je suis là pour te sauver à présent. Oh, mon amour, tu ne resteras plus éternellement avec les dieux. Tu vivras et mourras comme les mortels. Le courroux de Thorn ! Partons d'ici ! Peut-être perdu un peu de mon immortalité, mais j'ai emporté avec moi des secrets divins. Est-ce que tu réalises que Thorn ne nous laissera jamais en paix? L'amour ne peut pas être détruit par sa volonté. Quand nous aurons atteint le monde du milieu, il cessera sa poursuite et nous n'aurons plus jamais à craindre ces tours dont il a le secret. Les humains aussi utilisent la magie? Oui, mon amour. Quand les humains font des tours, ils sont prévisibles. Je seulement quand c'est moi qui le décide. Bien sûr, il suffit de le dire, c'est tout. Et alors, c'est ce que j'ai fait. Ah, c'est vrai, c'est exact, je t'ai entendu. Ah, et tout ça, c'est de ta faute, traîné. Tu m'apportes la malchance. Non, c'est
n'est pas possible. C'est pas ton jour. Pourtant, c'est toi qui as insisté pour jouer. Je suis désolé, mais pas d'argent, pas de blé. Attends. Je vais parier la fille. Elle est à moi, je l'ai payée. C'est un beau morceau, regarde. Non, pas question. Je ne joue que pour de l'argent. Désolé de te décevoir. Tu vas ramasser ces dés, fils de pute! Laisse-le en paix! Merci, l'ami. C'est facile de jouer les héros avec ça. Chaque fois que tu viens ici, c'est pareil, t'es qu'une traînée, une putain, et rentre chez toi. Ce n'est pas sa faute. Comment ça, c'est pas sa faute, c'est une salope, une putain. Pas l'aider? Non, je le regrette. Tu es restée assise? Tu comprendras plus tard, à tort. Qui est-ce? C'est Hathor, le seigneur des Aquiles. Son père, qui s'appelait aussi Hathor, a reçu la grande épée du Graal. Afin qu'Hathor puisse apporter la justice à son peuple et le ramener jusque chez lui dans le monde du milieu. Je veux qu'il m'appartienne. Tu as eu peur. Tu n'aurais pas dû t'enfuir. Pourquoi voulais-tu me défendre? Il te faisait du mal. Ça fait partie de ma profession. Ne te méprise pas toi-même. Il faut que je te paye pour ce que tu as fait. C'est pour ça que je suis venue ici. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux te payer qu'avec ce que j'ai. Non, non, pas ça. Je t'en prie. Je ne veux pas que tu te croies redevable. Pourquoi cherches-tu à t'humilier? Parce que c'est le châtiment que les dieux ont voulu m'infliger. Il doit durer combien de temps? Il faut qu'un homme me regarde comme une mère et pas comme une femme. Dis-moi comment tu t'appelles. Je me nomme Hathor, prince des Aquiles. Mère.
le savais. Oui, c'est vrai. Je connais les secrets des dieux. Mais à présent que je suis mortelle, je ne suis pas autorisée à les révéler. Voilà, mère, ta punition a cessé. Tu es enfin aux côtés de père. Par-delà ce marais s'étend le royaume de l'Est. Et plus loin, se trouve le sentier que nous cherchons. Tu crois vraiment qu'il existe un monde soumis à des dieux différents des nôtres? Même si ce que tu dis était possible, seul leur nom serait différent. Les dieux sont les mêmes partout. Tu veux te reposer un instant? On se reposera quand on sera plus loin. On dirait que tu as peur. Ces immenses marais ont toujours été le repère des esprits malins, des espions des dieux. Ce n'est pas qu'ils me fassent peur, mais je n'aime pas être dans cet endroit. Parce que je n'aime pas qu'on me surveille. Allons-y. Où étiez-vous? Je commençais à m'inquiéter. Le dîner est prêt. Eh bien, après ce qui s'est passé l'autre fois à la taverne, je me sentais en dette vis-à-vis de vous. Tu n'as pas l'air d'un homme qui a l'habitude de payer ses dettes. Je n'ai jamais eu de dette auparavant. N'oubliez pas que je suis un chef. Mais il y a une chose qui me gêne beaucoup. Et c'est quoi? Eh bien, c'est que désormais, je ne vous dois plus rien. Sans toi, on ne se serait jamais sorti vivant de ce marais. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je pensais, c'est que maintenant,
Je n'ai plus aucune raison de vous suivre. Eh bien, tu n'as qu'à rebrousser chemin. Viens avec nous. Enfin, si tu le veux bien. Mais dans quelle direction vous allez? Vers l'est. Pourquoi? Pour retrouver le chemin de l'Empire du Milieu. C'était des hommes de Hagen, des soldats du royaume de l'Est. Que personne ne peut entrer ici quand j'y suis. Qu'y a-t-il, Hagen ? Majesté, l'importance des nouvelles que j'apporte m'oblige à désobéir à vos instructions. Je l'espère dans ton propre intérêt. Cela concerne Nedjanira. Elle est entre nos mains. Qu'est-ce que tu dis ? Entre les mains de qui ? Si quelqu'un a posé seulement un doigt sur elle, je t'en tiendrai personnellement responsable. Toi, Hagen ! Nous avons fait de notre mieux, Majesté. Où est-elle ? Ici. Pardon ? Ici, dans mon château. Oh, Hagen, je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Conduis-moi tout de suite à elle. Si vous permettez, Majesté, je suggère que vous vous prépariez correctement à cette rencontre. Car, et vous le savez, c'est la première impression qui compte. Oui, tu as raison. Que dois-je faire, Hagen? C'est assez pour aujourd'hui. Pas que c'est qu'il puisse déranger de Janira. Pourquoi es-tu si soucieux que je me montre sous mon meilleur jour? C'est bien ce que j'ai compris. Hein? Pourquoi? Aurais-tu peur que de Janira ne m'aime pas? Ce serait possible. De Janira n'est pas une femme ordinaire. Cela ne va pas être facile de la convaincre de se donner à vous. De plus, elle est... Tout ce que je veux, c'est la voir. Tu n'as qu'à me cacher. Laisse-moi la voir. Tu entends, Hagen? Pourquoi même un dieu a voulu épouser Déjanira? Je veux que tous mes sujets soient présents à notre mariage. Commence les préparatifs sans perdre un instant. Tout sera fait selon vos désirs, Majesté. Mais nous avons tout le temps qu'il faut. Nous devons d'abord lui faire oublier Hathor, et ce ne sera pas facile. Hathor, encore lui! Je croyais t'avoir dit de le supprimer! Hathor? Où est Hathor? Votre Majesté,
Fais attention à ce que tu dis, Hagen. Choisis bien tes mots. Je ne suis pas sous ton charme, comme l'est mon frère. Hathor sera à vous, princesse, comme Déjanira sera au prince Gunther. Souviens-toi, Gunther. Jusqu'à ce qu'Hathor soit à moi, tu ne poseras pas un doigt sur Déjanira. Hathor fera l'impossible pour retrouver Déjanira. Ne vous inquiétez pas, il sera bientôt ici. Très bientôt. Maintenant, avec votre permission. Regardez, ils me paraissent moins méfiants. Il n'y a que deux gardes. Déjanira ! Hathor, mon amour, nous ne voulions pas commencer avant que tu n'arrives. C'est inutile de garder tes armes ici. Ceci n'est qu'une malheureuse méprise. Le prince Gunther veut te présenter ses excuses. C'est un grand honneur pour mon maître que de recevoir en son château Hathor, prince des Aquiles. Les récits de ses exploits ont réussi à parvenir jusqu'à notre royaume. Entrez, Hathor, et asseyez-vous à la table du prince Gunther. Vous méritez cette récompense. La malheureuse princesse Grimilde, sœur de Gunther, a été enlevée par les ennemis. Nos soldats ont cru l'avoir trouvée quand ils ont vu Déjanira. Je peux vous assurer qu'ils ont déjà été punis pour cette erreur impardonnable. Tout est arrangé maintenant ? Mon maître est prêt à accéder à toutes vos demandes si vous pardonnez ce malentendu. Nous avons besoin de provisions. Pour plusieurs jours. Vous êtes aussi modeste que courageux. D'ici l'aube, mes serviteurs auront tout préparé pour vous. C'est tout de suite qu'il me les faut. Ton maître ne doit pas se sentir humilié. Nous avons une longue route. Je dirais que dans ces circonstances, vos désirs sont des ordres. Thank you.
génie. Tu es un véritable génie, Hagen. Je ne sais comment te remercier d'avoir su trouver une si bonne solution à nos problèmes. Je ne demande rien d'autre que de continuer à vous servir, mon prince. Je veux alléger le poids du gouvernement qui pèse sur vos épaules, afin que vous puissiez vous consacrer en toute sérénité à la belle Dejanira et à vos œuvres d'art. Tes vœux seront bientôt exaucés. Tu sais bien que je n'ai aucun goût pour la politique, et de toute façon, un souverain doit avoir un complice dans l'ombre. N'est-ce pas, Hagen? À vos ordres, Majesté. Que ce soit votre vie ou ma mort, on n'y peut rien. Ce sont les règles. Il est toujours dans nos jambes. Qu'est-ce que tu veux dire? Skuld nous a sauvé la vie. En plus, il a risqué la sienne pour te libérer. C'est un grand honneur que de pouvoir accomplir une telle action. Quelle phrase curieuse dans ta bouche. Et ton regard est étrangement froid. Il s'est passé quelque chose au château de Gunther. Non, non, mon amour, je veux seulement être seule avec toi. Ouais, mais cela ne dépend pas de nous. Skjold est notre ami, on ne peut pas lui demander de partir, ce serait injuste. Skjold! 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 Est-il encore trop tôt, mon prince? Il faut être patient. Je ferai n'importe quoi pour elle. Je lui consacrerai mon existence tout entière. Amène-la moi immédiatement. Faites-la entrer. Lâchez-la. Comment peux-tu me faire ça? Pourquoi veux-tu me briser le cœur? Moi, je n'avais pas besoin de preuves, mais Hagen voulait vérifier tes sentiments. N'est-ce pas, Hagen? Hagen avait raison, puisque tu as tenté de t'échapper. Ce qui est la preuve que tu me trahirais si tu en avais l'occasion. Dejanira.
Jure que tu ne recommenceras jamais. Je te donnerai tout ce que je possède. Je te donnerai même mon trône. En échange d'un peu de ton amour. Emmenez-la! Emmenez-la! Que l'art qui ne me trahit pas. Regarde-les, Hagen. Mes œuvres d'art n'essaient jamais de m'échapper. Elles sont présentes chaque fois que je les veux. Elles me laissent les toucher. Elles me laissent les caresser. Elles me sourient constamment. Elles sont toujours pareilles. Déjanira ne me quittera pas non plus. Tu verras, Hagen. Quelque chose en toi a changé. Tu es devenue si différente. Es-tu en train de dire que tu ne m'aimes plus? Oh non. Non. Un fleuve ne s'arrête pas de couler. La lune ne s'arrête pas de briller. Ne plus t'aimer serait pareil que la mort. Les chiens de l'enfer ne m'obligeraient pas à renoncer à mon amour pour toi. C'est faux, Hathor. Tu commets une erreur. J'ai volé ton cœur à Déjanira, c'est exactement la vérité. Même si pour une nuit, tu m'as appartenu par le corps et l'esprit. Tu te souviendras que tu t'es donnée à moi, Grimhild, princesse du royaume de l'Est. Regarde-moi, Hathor. Je me vengerai. Non, elle n'en vaut pas la peine. Laissez-la s'en aller. Ce sera la plus dure des punitions. Tu le savais. Déjanira ne m'aurait jamais parlé de cette façon-là. Il faut faire vite. Déjanira se trouve peut-être en danger. Je pense qu'elle n'a rien à craindre pour le moment. Elle a été enlevée par amour. C'est une raison de plus pour que nous nous hâtions. Êtes-vous tout à fait certain de votre décision, Majesté? Elle va m'appartenir pour toujours. Jamais elle n'aura envie de m'échapper. Elle sera très heureuse, parce que de mes propres mains, je la ferai belle pour l'éternité. Elle aura enfin la place qu'elle mérite. La place que sa beauté mérite. Très bien. C'est parfait, Majesté. Tout est prêt. Thank you.
enlevons ce casque. Rien ne doit nuire à la perfection de ton visage. Il ne m'est pas possible de sculpter ton âme, mais cela n'a pas d'importance puisqu'elle appartient à Hathor. Mais ton corps, lui, m'appartiendra. Ne crains rien, tu seras magnifique, tu seras amant, mon chef-d'œuvre. Mais les statues ne parlent pas, il ne me sera plus possible de vous répondre. Je sais, évidemment que les statues ne parlent pas. Je voulais une véritable reine. Tu m'as forcé à me comporter ainsi. Hathor est arrivé au château. Jamais. Je me transformerai en statue, en œuvre d'art, en un magnifique chef-d'œuvre de pierre. Non, par moi, non, je veux pas, non.